Bien bonjour à tous les amis, c'est votre Jumper, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi ça me tient nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve comme vous le voyez une fois de plus pour du Fortnite. Mais les amis, aujourd'hui j'ai décidé, écoutez, non pas de faire du Battle Royale, mais découvrir. Depuis un long moment j'avais vraiment envie de le faire et je me suis dit pourquoi ne pas le faire avec vous. Et les amis, on va découvrir aujourd'hui tous ensemble Sauver le Monde, l'histoire de Fortnite, hein, parce que comme je vous le rappelle, comme vous le savez pas, effectivement avec le mode Sauver le Monde, on va pouvoir découvrir un petit peu l'histoire de Fortnite, hein, comment est arrivée la tempête, les armes, etc. et tout. Et les amis, j'avais hâte de tester enfin Sauver le Monde avec vous et surtout de refaire un retour en force sur Fortnite. Et vu qu'en plus de ça les amis, vous étiez nombreux et nombreuses à me demander de revenir sur Fortnite, je me suis dit que c'était vraiment, bah écoutez, l'occasion rêvée pour le faire. Donc les amis, est-ce que vous êtes prêts à découvrir une toute nouvelle aventure sur Sauver le Monde dans Fortnite? Et c'est parti! Oh, petite cinématique! Ok, alors attendez, on va essayer de suivre la cinématique quand même. Ça pourrait être sympa, je pense que ça va nous servir pour l'histoire, hein. Vous êtes debout. Ça va votre tête? Oui. Les escaliers, ça s'utilise avec les pieds. Juste un petit conseil en passant. Erreur système de sécurité. C'est rien. Alors, présentation. Je suis Ray. Nous sommes l'équipe d'aide commandant. Enfin, pour ça, il faudrait qu'on ait un commandant. Et comme le prouve cet exercice, nous n'aurions strictement aucune chance contre la tempête. Tu peux répéter? Pas un exercice? Ah, ça explique la présence des monstres. Au passage, notre mission était d'empêcher la tempête de se produire. Donc, on passe au plan B. Plan B? Vous avez une idée? Ah oui, non? Allez! Appel de détresse. Appel de détresse. Ah, vous venez de trouver notre plan B. Ici Ramirez, j'ai besoin de soutien. Je vous reçois 5 sur 5. On a des survivants en danger. La tempête approche. Ne quittez pas. Ne me mets pas en attente. J'irai droit au but. Avez-vous déjà songé à combattre les forces du mal? Parce qu'on a vraiment besoin d'un commandant et que vous me semblez faire l'affaire. Ne le boudez pas, vous allez faire des merveilles. Ramirez, je vous mets en contact avec notre commandant. Allez, tous à vos postes. Lock, l'interrupteur. C'est quand vous voulez, commandant. Ok, commandant. Ramirez compte sur vous pour mettre les survivants en sécurité. Allô, Ray? Si tu m'entends, ce serait pas mal du tout que tu te dépêches. Bien reçu. Les armes et les systèmes de construction arrivent... maintenant. Super. On y retourne. Groupe de carcasses droit devant. Qu'est-ce qu'on a à leur balancer? Voyez-vous-même. J'attends vos ordres, commandant. Ok les amis, attention, c'est parti! On va dégommer du zombie, c'est moi qui te le dis, l'ami. Allez, venez là! Je vous attends! Je vous attends! Voilà! Allez hop! Ça prend des têtes! Ça prend des têtes! Oh, ça fait tellement plaisir, les amis, de dégommer du zombie! Ok! Donc, alors, on est... Merci, Ray! Ok, alors, donc, on est dans une espèce de mine. Ah ah! Oh, la pioche en bois, quoi! Ah, c'est génial, les amis, de tester Sauver le Monde, quoi! Mais non!
Ah là là, depuis le temps que je voulais le tester quand même, hein, c'est vraiment un plaisir. Ok, donc, surtout au niveau de l'histoire et des armes qu'on n'a pas vraiment dans... Essayez de le détruire. Dans Battle Royale, quoi. Ok, alors, appuyez sur F pour vous équiper de la pioche. Alors t'inquiète, je connais, hein. J'ai quand même joué beaucoup au Battle Royale, hein, comme tout le monde. Ok, donc, mais c'est bien comme tutoriel. Exact, c'est vrai. Ok, alors. On est dans une mine, on va peut-être falloir trouver le moyen de sortir. Oh, même les musiques sont tellement cool. Oh, les bonnes musiques du menu de Fortnite. Mais modifiées, quoi, forcément. Oh. C'est la tempête. C'est la tempête. Ok. Bon, mais ben, on va bridge. J'aurais peut-être pu le mettre en bois, oui, effectivement. Ok. Oh, il y a un chest. Oh, oh, le coffre. Oh. Il va vous falloir une meilleure arme. Oh, le katana. Oh, tellement classe, le katana. Oh là là. Oui, bah oui. Ok, bah écoute, on va détruire ce qu'on peut. Voilà. Il n'y a pas les crits, j'ai l'impression, au niveau de des récoltes. Allez, vas-y. L'arbre. On prend l'arbre. Les voitures sont une bonne source de métal, de métal mécanique et d'écrou et boulon. Ouais, t'inquiète, je connais. D'accord, ok. Alors c'est vrai que c'est quand même un peu différent, hein, du Battle Royale. Va pas falloir oublier que c'est pas totalement pareil. Il y a plein de choses qui sont pas disponibles dans le Battle Royale, qui sont d'ailleurs arrivées après, hein, d'ailleurs, qui étaient déjà dans le... il me semble, dans le... dans Sauver le Monde. Alors qu'est-ce qu'on a donc? Détruisez des armes et des véhicules pour récolter les matériaux dont vous avez besoin pour fabriquer notre arme à feu. Oh, c'est génial. On va la fabriquer. Alors, attends, je vais fouiller un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y avait quoi? Ah, oh! Qu'est-ce que c'est? C'est des pétards! C'est des pétards! Il y a des pétards, mais non, mais c'est génial, ça pourrait tellement faire flipper les joueurs, ça. C'est genre comme une grenade, tu vois. Ok, on va fouiller les autres. Les petits trucs de foingue, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, des munitions. Oui, parce que bon, bien sûr, il va falloir fabriquer nos munitions, vous verrez, hein, bien sûr, avec le menu, hein, quand on sera plus en détail dessus. Il y a énormément de choses. Ok, donc, alors, trouver 3-4 pièces de mécanique rouillées sur les véhicules. Alors, attends, déjà, je récolte un petit peu tout ça. Il y a un véhicule rouillé là-bas. Attends, est-ce qu'il y en a un autre dans le coin? Je dirais que... ouais, vas-y, on va aller là-dessus. On va aller sur le chariot élévateur. Oh non, on va aller sur le tracteur. On va aller sur le tracteur. Allez, j'arrive. Ok, allez, je récolte. C'est good. Ok. D'accord. Alors, comment fabriquer une arme? Cliquez sur l'icône d'arme à feu, choisissez-la et fabriquez-la. D'accord. Alors, on a bien sûr donc nos armes qui sont ici, d'accord. On a les munitions là. Oh, waouh, il y a les pièges et tout. D'accord. Donc ça, ah oui, je peux la fabriquer du coup. Regardez. Ah, oh, j'ai pouvoir fabriquer la R. Fusil d'assaut avec des écrous et boulons, des pièces mécaniques rouillées et de la ficelle légère. Ok. T'imagines, tu devrais faire ça dans le Battle Royale? Ok, je vais l'équiper à la place du PTA. Voilà, c'est parfait. Ok, alors, où sont les survivants? Alors, la carte. Mais c'est vrai que la carte, c'est quand même plus pratique. Oh, la carte, elle est un peu transparente quand même. Ok, c'est là-bas. Ça roule. J'arrive, les gens. Ne bougez pas. Allez, allez. Oh, ça tire. Ça tire, ça tire. Oh, c'est tellement bien fait quand même, ce mode histoire-là. Allez, 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 allez. On se dépêche, on se dépêche. Oh, la tempête. Pour la tempête! Ramirez, vite! Ok. C'est marrant comment ils ont fait ça, quoi. En fait, c'est juste le squelette qui s'en va de du corps, tu sais. Pour les zombies, là. Oh, ils sont nombreux. Hein. Ok, ils sont nombreux. Oh là là! J'arrive! Éliminez ces carcasses. Ça roule. Oh, une AR! Oh, l'AR qui recharge pas! Ah si, j'allais dire, au bout d'un moment, par contre, ouais, le mode automatique, il est génial. Oh, je vais éviter de tirer sur les alliés quand même. Oh là 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 là. Oh, c'est excellent. Bon, on va essayer de viser quand même, ce sera mieux. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a un peu beaucoup, je pense. Ok, il faut tenir encore 10 secondes. On peut le faire, on peut le faire. On vise bien les têtes. Ok, ça se passe bien. Ça se passe bien, les amis. Ok, c'est bon. On a cru qu'on t'avait perdu. Eh non, je suis là. Ok. Si on n'arrive pas à filer d'ici rapidement, c'est la mort assurée. Ah. Ok. Oh, la musique, elle est tellement épique. On
piège. Saoul, alors. Pour empêcher les carcasses d'entrer, placez des pièges devant la porte. Ok. Alors, je vais quand même... Attends, je vais placer les pièges. Je vais en placer... On va en placer là. Mais j'hésite à mettre des petites... Je pense qu'on va mettre... Je sais pas si on va mettre des murs là. Bon, tu me diras, non, au moins après... Enfin, eux, après, ils vont être bloqués. Donc, pour le coup, on va mettre des pièges là. Voilà. On va suivre les instructions. De toute façon, on est un peu obligé. Hein. On va en placer encore là. Oh, ça va être génial. On va faire un couloir de pièges. Oh, ça va être terrible. Voilà. Bah, à mon avis... Bah, attends, tu sais quoi, je vais tous les mettre. Voilà. Bon, je vais en laisser quand même parce que... Oh, un peu. Ah, attends, il faudrait quand même que je rechange le truc. Voilà. Oh, c'est génial. Waouh, le truc de ouf, toi. Ok, bon. Alors, l'histoire est morte. Comment que ça se passe? Oh, j'en reviens pas, c'est tellement stylé. Ramirez. J'arrive. Tenez bon, on va. Un coffre. Oh, un lance-patate. Ramirez, je détecte des signaux vraiment au travail. Ok. Oui, oui, mais en même temps, j'ai de l'entraînement. Waouh. Ce truc était là depuis le début. C'est un missile ou une sorte de fusée? Ah ah! Ah, mais oui! C'est une chouette fusée en plus! Ah, ouais, carrément, hein! Il y a un satellite dedans! Avec un satellite, nous serons capables de guider Ramirez et les survivants jusqu'à notre base! D'accord! Eh ben, lançons-la alors! Eh ben, c'est une bonne idée! Alors, lancez la fusée! Ça roule! On y va! Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, j'étais coincé par la barrière! Essayez de lancer la fusée! Non, tu crois? La fusée a été modifiée pour fonctionner avec de la bleuite. Dans ce cas, cherchons de la bleuite. D'accord, la bleuite. Explorez la salle autour de la fusée. Oh. Doit y avoir de la ça doit être ça. Wow. Ok, ça roule. Alors, la bleuite. Il y en a là. De toute façon, en plus, bon, on est un petit peu aidé quand même. Hein. Il y a juste un... Il y a un radar, quoi. Ok. Ok, bah écoute, c'est parti, j'arrive! Vite! On équipe la fusée! Ouh! Super! Maintenant, sortez avant de vous faire carboniser par les gaz d'échappement! Ah, ça roule! Vite! Ah, ah, ah non! Pas la barrière! Nous devons protéger la fusée jusqu'au décollage! Ça roule! Allez! Une autre vague arrive! J'ai besoin de renfort! Comme par hasard, ils arrivent à ce moment-là, tu sais! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, il y avait des trucs dedans! Qu'est-ce que c'est? J'arrive, Lenny, j'arrive! Oh! Je peux contenir! Oh, c'est quoi cette arme? Stylé! Oh là là, il y a des nouvelles armes, quoi! Oh là là! Oh le boss! Oh là là, il est puissant! Oh là là, mes défenses! Yeah. Oh, un petit outil là! My god, oh my god! Oh! J'ai eu de la chance! C'est bon! Ça s'est bien passé. Oh, il est tellement stylé, lui-y. Ils sont un peu nombreux. Hein. Heureusement qu'on a mis masse piège. Hein. C'est les tourelles auto, en fait, ça. Allez, ça tire, ça tire. Ok, c'est bon, ça tient. Ça se tient bien. Oh, on peut demander une frappe aérienne. Je vois un F1, là. Oh là là. Mais elle est tellement stylée, l'arme. C'est moi, j'admire les armes au lieu de... Bah, tu me diras, alors, en soi, j'ai pas besoin de faire grand-chose. Hein. Ok, ça tient. Heureusement qu'il y a les pièges. Hein. Eh, j'ai bien fait d'en mettre la masse. Hein. Ça va pour l'instant, ça se tient bien. Il y en a les petits, attention. Il faut... Oh là là, oh là, ils sont nombreux. Oh, ils sont nombreux. Ou ils sont un peu trop nombreux. On va y aller au... Non, on va pas y aller au kata, c'est bon. Ok, ça s'est bien passé. Bien sûr, il va. Bah non, je trouve que je m'en sors bien en plus. Tenez bon et protégez le fort. Ok. Bah pour l'instant, on s'en sort bien. Yes! Enfin une bonne nouvelle. Ouais, carrément! Allez, la frappe aérienne! Demandez la frappe aérienne quand vous serez prêt, commandant. Ok, ça roule! Là-bas? Oh là, c'est pas bon! Oh, ça bombarde! Ça bombarde! Oh, c'est génial! Oh, ils arrivent un peu trop là. Ils sont un peu trop nombreux là. Ça recharge, on va reprendre l'air. Ça est bizarre de pas être en coup par coup quand même. C'est excellent quoi.
On tient le coup, les amis. Ouah, c'était quoi ça? Ok, ça passe. Plus qu'une seconde et c'est bon. Yes. Oh yes. Et ça vole et ça part. Ah bah, salut. Dès que les données du satellite sont prêtes, nous vous ramenons. Ok. Mission accomplie. Oh là là, c'est génial. Mais c'est tellement cool quoi, cette entrée en matière dans le jeu quoi, les gens. Tellement de puissance. Oula. Maintenant que la fusée est lancée, nous disposons de notre propre satellite. Voyons voir un peu ça, ça ne doit pas être si terrible. Comment ils épaulent le truc, tu sais. Oh, oh, waouh, c'est horrible. Bon, j'ai rien dit. Waouh. Oh, ah ouais, c'est pas mal envahi en fait. Ah. Génial, ils sont aussi dans l'espace. Oh, c'est la tempête ça. Oh, on s'occupera après. Y'a pas beaucoup de place pour le top 1, hein. Tu m'étonnes qu'on se retrouve tous au même endroit. Tapez le nom de votre base. Ah là là, c'est cool, on va pouvoir donner un nom. Et bah je vais l'appeler la Furious Base. Oui, c'est pas très original, mais voilà. Ok, donc on peut choisir un icône, d'accord. Ah, c'est excellent, y'a les couleurs et tout. On va prendre le cœur. Non, je connais. On va prendre... le missile. Non, les flammes. Les flammes. Voilà. Comme ça. C'est classe. Ok. Il faut fermer, c'est ça? Ok, ça roule. Oh, c'est génial. On va être sur le menu, là, du coup. Attention. Oh! Récompense de mission. Eh bien, t'es un de niveau 4. Ouvrons son coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, des pieux de sol en bois. C'est les pièges. Oh, il y a l'AK, ok. Le pistolet, c'est ça, on connaît. Ok, donc les gens, alors avant de continuer un petit peu, on va voir ce qu'on a comme disponibilité. Alors, on voit bien que tout le reste est grisé, donc on a des quêtes, on aura des boutiques, des butins, des talents, des arsenals, enfin un arsenal section héros et cartes. Ok. Oh, c'est notre base. Ah oui, c'est ça, ouais, ça va être la suite de la mission, je pense. Donc du coup, alors, bah écoutez, et bah les amis, on va continuer du coup avec la mission suivante qui est donc la défense du bouclier. Activez le bouclier anti-tempête de Fontainebois. Ok, bah écoute, et c'est parti. Alors, il faut sélectionner la... bah oui, de toute façon, je n'ai qu'une base, hein. On le voit bien, tout le reste, c'est de la tempête. Donc du coup, attention, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, effectivement, c'est en multijoueur, ce truc-là. On dirait pas comme ça, mais... Oh, wow. Mais j'ai vraiment l'impression d'être sur le menu de... du Battle Royale, là. Alors, du coup, on est... Bah forcément, on a que Ramirez, en fait. Oh, c'est génial. Et bah écoute, on va le lancer. Comme ça. Ouais, parce qu'on peut être à plusieurs, les amis, au cas où vous ne le savez pas, on peut être en coop. Alors, wow, c'est ça la base. Ok, alors. Mais je crois savoir comment largement améliorer cette petite base. En améliorant et en protégeant ce bouclier anti-tempête, nous pourrons mettre tout ce que vous sauvez à l'abri de la tempête. D'accord. Et c'est là que vos talents de constructeur entrent en jeu. Vous êtes un bricoleur de génie, comme Gustave Eiffel. Ou Bob. Ou Bob, alors, d'accord. Et moi ça me va. Allez, je vais construire une tour Eiffel. Ok, donc activez le bouclier anti-tempête. Défendez votre bouclier, d'accord. Ok, alors il faut que je pense quand même à fouiller un petit peu les petites plantes et tout. Parce que bon, dans Fortnite t'as l'habitude de tout péter. Donc c'est vrai que d'un coup, quand on dit bah non, attends, t'as besoin de munitions, bah il faut absolument tout fouiller. Ok, donc ça par contre je peux le péter. Y'a pas de problème parce que bon, je vais prendre quand même des ressources. Oh, c'est quoi? Oh, j'ai la grenade. Regardez, j'ai la grenade maintenant. Ok, alors elle est tellement cool cette pioche. Elle est sympa, tu sais, ça fait bon, ça fait un peu la pioche du noob, mais mais bon, c'est sympa, je trouve. Donc du coup, ok, bah écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on a dans l'inventaire. On a, ah oui, on avait la casse, c'est vrai. On a le lance-patate. Moi, je propose qu'on, enfin, on mette les trucs comme ça. Ok, bah on va rester comme ça. De toute façon, je pense qu'on est bien, hein, on est plutôt bien équipé. Allez, on l'active. Oula, je suis bugué. Regardez mon arme. Là. L'objectif est de protéger le bouclier anti-tempête contre tout type d'attaque. D'accord. Voilà. Ouah. Ah ouais! Mais nous n'avons pas encore les ressources pour ça. D'accord. Alors, voici ce que vous pourrez construire pour l'instant. Ah! C'est déjà bien. Commençons par les fondamentaux. Ça ressemble tout de suite moins à quelque chose. Je vais vous en envoyer. Waouh, ok, ça roule. Alors... Oh
Ça fait peur, hein. Tu es ravitaillement. Wouah! On a tellement de trucs! Construisons des défenses autour du bouclier anti-tempête. D'abord des murs. Murs à fléchettes! Bois, de la pierre et du métal. Ah, le plafond à champ électrique, c'est vrai qu'il existait avant, ils l'ont enlevé. Le pieu de sol en bois. Pour les anciens, ça d'ailleurs. Ok, alors. On va rentrer en mode construction, oui, ça roule pas de soucis. Hein. Attends, je vais placer. On va mettre ouais, des trucs en. Combien j'ai de métal? J'en ai 300. Écoute, on va en mettre. Hein. Parce que bon, c'est après tout, c'est hyper important. Hein, ça fait partie de la mission. Donc autant passer dans un truc de fou là. Bon, on va suivre un peu l'objectif. Moi, je l'aurais fait autrement, mais. J'aurais plutôt mis des escaliers, tu vois, histoire d'avoir une vue. Bon, après, tu me diras, on peut toujours le faire après. Ajouter une porte. Ça roule. Alors, je peux la mettre. Ok. Comme ça. C'est parti. Ah, j'ai oublié de. Si j'oublie de confirmer, ça marchera pas. Ça roule. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Vous devriez construire des sols et des plafonds. Ah! Bon, là, on va pas mettre en métal. Je pense que ça sert pas à grand chose. Donc, je vais claquer ça en pierre. Enfin, en brique, quoi. Ok. Voilà. Comme ça! Ok. Et je vais pouvoir mettre des pièges dessus, je pense. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme piège? Ça serait bien un autre piège. Comment je peux changer les pièges? Est-ce que je peux changer directement? Ah oui, bah oui, c'est ça que c'est là. Alors on va mettre déjà, moi j'aurais mis ça autrement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si on doit suivre absolument. Ah ouais, on doit absolument suivre le truc. On a pas le droit de faire comme on veut, quoi. D'accord, bon, j'aurais mis des escaliers, mais bon, écoute, on va mettre ces pièges, hein. Comme elle a dit, on va mettre les pièges. Je suis obligé absolument de. Attends, j'arrive pas à les sélectionner. Équiper. Ah d'accord, ok. Ça roule. On va en mettre là. Parce qu'à mon avis, ça va arriver un petit peu partout. Voilà, comme ça. Ça, on va en mettre. Je vais en mettre un ici, écoute. De toute façon, je pense que je peux aller dedans. Hein. Oh, c'est tellement stylé, quoi. Et là, du coup, ici, on pourrait placer. Tu peux choisir le piège ici. D'accord. Bon, on va mettre le mur à fléchettes ici. Parce que de toute façon, je pense pas qu'ils arriveront d'un autre endroit. J'en doute. Voilà. Oh là là. Ah ouais, c'est stylé de fou, là. Non, on peut vraiment rien placer en fait. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, d'accord, ok. Sélectionner les plafonds. Ah ouais, bah ouais. Ça pourrait être intéressant de mettre des plafonds pour les pièges électriques. On va mettre un là-haut. Voilà pour les bases. Maintenant, est-ce que je peux en mettre un, hein? Ouais, voici super. Ce que vous devez fabriquer. Ok. Construire des murs bas peut ralentir l'ennemi tout en vous permettant de tirer au-dessus. Bah on va mettre. C'est pareil, on va les mettre en briques. Deux rangées du haut et garder les trois panneaux du bas. D'accord, oui, mais ça je connais, t'inquiète. La pièce que vous aviez enlevée pour faire la porte. Ok, ça roule. Bah normalement c'est bon là, c'est good. Ah, il veut en mettre là-bas, il veut en mettre là-bas aussi. Ok, ah, écoute, on n'est jamais assez prudent. Ok, il n'y a jamais assez de murs dans Fortnite. Ça roule, bon, ah, moi je suis prêt là. Petite précision, j'ai cassé la frappe aérienne. Ah. Je l'ai peut-être un peu cassé sur une montagne, mais passons. Sur une montagne. Pour l'instant, il faudra s'en tenir aux grenades. Voici une cible pour vous. Ok. Ok, attention, grenade. Ah. Ah, d'accord, je l'ai. Je l'ai explosé même en l'achetant dessus, quoi. Vous pouvez les réparer à condition d'avoir assez de matériaux requis. Pas de problème. Vous pourriez peut-être fabriquer quelques munitions, mais après ça, tout sera prêt. Pour lancer le combat, sélectionnez étendre le bouclier sur la console du bouclier anti-tempête. Ok. Bah écoute, moi je pense, les amis, que niveau munitions, on est pas mal. Bon, j'en récolte quand même dans les tuyaux, dans les haies et tout, tu sais. Ok, donc là c'est bon, je vais fouiller un peu tout ce qu'il y a là. Et je pense qu'on va être paré pour le combat. Ok, alors j'ai rien mis de spécial ici parce que bah, il me permettait pas en fait de bah, de mettre des trucs, hein. Donc ouais, non, malheureusement on peut pas. On n'a pas le droit de ces genres. Bon, après je pense que c'est parce que bon, on est toujours un peu dans la phase tuto. Ok, donc bah écoutez les amis, je suis totalement prêt. Donc, et bah écoutez, c'est parti. Alors, étendre le bouclier. C'est parti. La puissance du bouclier augmente. Comme prévu, les boucliers sont devenus un peu mous. Voyons si la tempête le remarque. Attends, je vais mettre en terre. Je crois que oui. À vous de jouer, commandant. Défendez vos défenses. Wouah. Allez, voilà. Les zombies baseball. Les pitchers. Ah, il lance des ossements. Ok. Le bouclier anti-tempête va subir une attaque depuis le site. Ok, vague 1 en approche. Allez, je vous attends. Ok. Allez, c'est parti. Le combat commence.
Alors j'aimerais bien tester quand même le katana parce que bon, arme de corps à corps c'est quand même génial. Ah ouais, ça... ça abîme mes pièges. Ils arrivent, ils sont où? Ah, ils sont là. Je l'avais pas vu. Ils sont vachement loin quand même, hein. Bon bah attends qu'ils se rapprochent, hein. Parce que bon, de toute façon, hein, je pense pas qu'ils vont faire des dégâts. Oh, lui là. Ok. On y va. Ça passe. Attention, baseball man. Pas possible. Baseball man. Ok. Ah, j'ai encore les grenades. Ah oui, c'est vrai que les grenades, ça se recharge. On va en profiter. Hein. Grenade. Oh là là. Ça fait mal. Ça se passe bien. Ça se passe très bien même. Ok, ils arrivent. C'est génial ce mode de défense quand même. Bon, ça change beaucoup du Battle Royale, ça n'a rien à voir, mais ça t'aide à t'entraîner à tirer quand même. Il y avait une espèce de petite protection là avec un verre bizarre là. Viens là. Ça m'a pris une mouche. Grenade. Bam. Attends, je vais le katana. Oh là là. Oh, c'est puissant. Oh là là, comment on les tranche. Oh my god, c'est tellement stylé. Oh, c'est génial. C'est vraiment génial. Bon, par contre, il n'y en a pas un qui a réussi à aller dans les pièges, quoi. Tellement, oula, tellement je suis surpuissant. Oh, j'arrive. Oh, il a un shield. Il a un petit bouclier, là. Il est énorme, lui. Allez, viens là. Ok, c'est réglé. Bon, par contre, ouais, il va falloir penser à réparer mes armes, en fait, entre chaque mission, avec bah, toutes les ressources que je trouve sur la map. Ok, ça doit bien se passer. Ok. Non, on va acheter des grenades, de hein, toute façon c'est à l'infini donc. C'est un peu notre pouvoir en fait. Ok, et ça revient. C'est bon, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, progression du badge. Pas de problème. Ok, bah je vais me mettre là moi. Eh, je vous attends. Oh, le E par contre, je vais être obligé de les avoir sans les pièges. Je vais être obligé. Attends, je vais essayer de voir un petit peu où est-ce qu'il y en a d'avance. Pas l'air d'en avoir. Oh, ils sont désintégrés quoi. Attendez, on va le laisser venir lui. Regardez comment il va se faire voir. Oh là là, mais c'est tellement puissant le mur à fléchettes. Et attends. Oh, il va prendre le rayon là. Oh là là, ça fait mal. Bon, il était résistant, il avait un shield quand même. Il avait un shield. Oh là là, c'est excellent. Quoi, ça y est? Oh, mais c'était easy. Ah ouais, ils ont rien pu faire. Victoire. Oh, les points. Continuez. 15 513 points. Pas mal. Enfin, je suppose. Oh, il y a un level up et tout. Oh, c'est génial. Vous avez gagné un point de talent. Cool. Continuez. Wouah, tous les coffres. Oh, tous les types de coffres qui existent. Oh my god. Oh, celui-là là-bas, il est tellement beau, je veux celui-là. Ah, ils vont pas me le donner, tu m'étonnes. Le coffre trésor s'ouvrira sur l'écran joué. D'accord. C'est excellent. Stade de mission, retour à la base. Et bah, retourner à la base. Oh là là, c'est génial ce système de trucs quoi. Et en plus, vous pouvez farmer pendant un moment, je vous le dis. Il y en a des missions, je crois que c'est infini il me semble. Ok. Oh, le coffre. Oh, le beau coffre, on l'ouvre. Qu'est-ce qu'on a? XP d'héros, permet d'augmenter le niveau des héros et des défenseurs s'obtient dans les lamas et en mettant des héros ou des défenseurs à leur tête. Oui, parce que les amis, au cas où vous ne le savez pas, il y a plusieurs personnages, bien sûr, qu'on peut obtenir dans le jeu. Ah voilà, donc c'est ça qui est génial. Mini lama récompense, échangez votre lama gratuit dans l'onglet, putain. Oh, génial. Il y a même, je crois qu'il y a même des V-Bucks qu'on peut obtenir sur du coup, notre compte du coup Battle Royale. Alors, et qu'on peut gagner aussi ici. Alors, défense de bouclier base 1, quête terminée, d'accord. Oh, Kyle, le constructeur de base, peut déployer une base disposant des sols électrifiés capables d'arrêter les ennemis et utilise charge du taureau pour faire le ménage devant les murs. Stylé les compétences. Ça, c'est l'XP. Et les bébés, voilà. Et ça, vous pouvez l'utiliser, si je dis pas de bêtises, ça va aussi dans votre compte Battle Royale. Voilà, donc c'est pour ça, ça vaut le coup aussi un petit peu de faire du... Le fameux Fortnite sur le monde. Récompense de l'édition standard. Merci. Qualité des fondateurs. Oh, ouais, là-bas. Ah non, c'est quoi? Recevez chaque jour des récompenses supplémentaires. Oh, les skills! Peinture de guerre. Chef de Big Rose. On aurait dû avoir ces trucs-là sur Battle Royale quand même. Des icônes, d'accord. Ok, ça roule, ouais, c'est des petites récompenses. La description de l'arbre des talents est disponible.
Ok. Dépensez-y vos points de talent pour déverrouiller des capacités et les améliorer. D'accord. J'ai suffisamment de points de talent pour déverrouiller une nouvelle classe de héros. Achetez le talent leader de constructeur. Ok. Faire un petit peu. Alors. Ah, permet aux constructeurs de rejoindre vos sections de héros. Wow, les trucs. Regardez, on peut construire avec plein de trucs en même temps. Oh my god, c'est tellement bien fait. La méga pioche. C'est bien fait le système de, d'aperçu. Ah, je veux me spoil un peu tout, mais en même temps, ça a l'air tellement bien. Ah, je peux pas voir le reste. C'est quoi ça? Rend immédiatement 215 points de vie. Oh, c'est une balise de soins. Oh, c'est trop bien, les amis, c'est trop bien ce jeu. Ok. Du coup, on va pouvoir construire un petit peu mieux. Genre, on aura des packs de construction, quoi. Allez nous construire un truc épatant. D'accord. N'oubliez pas de garder un œil sur vos points de talent. Ok, du bois, de la brique, enfin de la pierre, il m'étonne. Ah ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est l'arbre des talents. Le bouclier est activé, oh. Les survivants sont à l'abri, Ramirez est paré. Ça commence plutôt bien. Oh, c'est génial. Merci pour cette... excellent compte-rendu. Voilà, pour ce compte-rendu. Une remarque. Évite de pleurer dans la salle de commandement, d'accord? Même quand le radar montre que... Oh, waouh. Ah oui, c'est pas banal. Ah ah. Commandant, plusieurs tempêtes se dirigent droit vers notre base. D'accord. Et... Je ne sais pas du tout. Deux minutes. Vous vous en doutiez. Arrête de parler. Arrête de parler. Il semblait pourtant que c'était ici. Elle lâchera pas l'affaire. C'est bon. En cas d'urgence, en dehors des heures de... J'aime bien son interruption, lui. Contactez l'agent de garde du service technique. D'accord. Je crois bien que c'est une urgence. Ok. J'ai trouvé l'endroit. Ok, donc ouais, ça sera la prochaine mission. D'accord, alors bienvenue. Enfin, j'ai quand même envie de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Donc on a le héros, on peut changer de héros. On peut jouer du coup Kyle, qui va être génial, donc avec une compétence Star du Taureau et tout. Ok, bah on va le sélectionner lui, voilà. Et après donc on peut personnaliser je crois les armes, il me semble. On a les sections, d'accord. On a l'arsenal. Oh là là les amis, on peut voir les trucs. Ah c'est génial de les voir les items comme ça. On a quoi d'autre? Est-ce qu'on peut se spoil d'autres trucs? J'ai pas l'impression. D'accord, donc ça c'est un piège qu'on a pas, qui n'existe pas dans le Battle Royale. Là on a quoi? Bon à mon avis ce sera les futurs persos qu'on pourra obtenir avec le temps. On a... Ah oui non, tous les héros, d'accord. Ok, alors est-ce qu'on a des trucs à ouvrir? Il me semble que oui, on peut avoir des butins. Oh oui! Alors le reste, ok ça c'est gratuit. D'accord, d'accord, bah écoutez on va prendre des lamas. Oui, allez. Avec la force et tout, tiens. Là du coup, des bambans et... Oh, des armes! Oh, oh, génial! C'est quoi ça? Oh! Ça nettoie, d'accord. Wouah! Stylé! Le chasseur! Fusil de sniper semi-automatique! Semi-automatique avec un fusil précis à moyenne et longue portée! Oh my god, infligeant de bons dégâts! En cas de besoin, il permet une cadence de tir rapide! Mais cela réduit beaucoup sa précision, d'accord! Et ça, c'est quoi? Des pieux muraux. Des pneus! Non, c'est bien des pieux muraux, d'accord, et pas des pneus! Et de l'or, une monnaie spéciale pour obtenir la commission d'émission. D'accord, et là de l'XP effectivement. On peut avoir un autre lama. Oh, je l'ai senti, vous savez. Ok, vas-y. Spam. Qu'est-ce qu'on a? De l'XP. C'est pour vous. Merci. Et oh, un ticket. Oh, la grosse mitrailleuse. Ils avaient déjà prévu de la shooter, tu sais. Ok, l'atypique, leader survivant qui augmente la puissance de la section. Oh, mais c'est tellement bien tous les héros qu'on peut jouer. Comptez des amas spéciaux pendant l'événement Road Trip. Oui, parce qu'il y a des events aussi, hein, faut pas croire, mais il est bien vivant le jeu. Hein. Ok, on a les quêtes. D'accord, la boutique. Qui est oh, ça c'est les V-Bucks, d'accord. Oh, c'est génial. Attends, je veux voir les... On a le sac à dos. Ah, c'est ce qu'on a dans... Au niveau de l'équipement, on a les ressources. Ça, on va pouvoir les changer plus tard, je pense. Et fais voir les armes. Je voulais voir celui-là là. Oh là là! Tellement stylé quoi! Mais c'est génial! Oh, j'ai hâte de la tester. Honnêtement, ça va être du génie. Et bah écoutez, les amis, dans tous les cas, on va du coup s'arrêter là pour ce premier épisode sur Fortnite Sauver le Monde. J'espère en tout cas les amis que ça vous aura fait super plaisir.
que je teste Sauver les Mondes. C'était vraiment un jeu que, enfin, une partie du jeu que je voulais absolument tester et découvrir avec vous. Et d'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une suite, justement, et bah écoutez, de cette aventure épique sur, et bah, Sauver le Monde. Hein, surtout si vous êtes fan de Fortnite et que vous n'avez pas sauvé le monde ou autre, vous pourrez du coup suivre cette aventure avec moi ici. Et je pense qu'on va vraiment envoyer du lourd. Et en tout cas, les amis, n'oubliez pas, justement, de lâcher votre plus gros pouce bleu pour ce premier épisode de Fortnite Sauver le Monde. Ça me ferait extrêmement plaisir, ainsi que vous abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, je vous remercie grandement les amis, c'est Flo Jumper, et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.